5h30, c'est fini. T'as fait tes boîtes, t'es parti en compagnie de l'abandon. J'écoute des disques dans mon salon, fouillant dans mes CD, en peine de constater que t'as gardé mon préféré de Dan Boucher. Bienvenue sur LiveToon. Merci, merci. Tu nous arrives avec un mini-album aujourd'hui. Mini-album juste pour nous aguicher en attendant un plus gros album? Oui, probablement. Dans le fond, le but, c'était d'essayer une formule avec un réalisateur parce que le premier album, j'avais réalisé moi-même chez moi tout seul. J'ai travaillé avec Navet Confi, puis avec des gars en Ontario, des gars qui jouent dans Pandaléon, les frères Levac. Puis c'était pour faire un essai comme ça aussi, c'est les coûts qui sont reliés. Là, c'est quand même moins cher à produire un 6 tonnes. Fait que... Puis vous êtes allé dans un endroit assez inusité pour enregistrer l'album. Oui, on est allé dans une grange en Ontario. Ça s'appelle La Piole. Dans le fond, les frères Levac, ils vivent sur une ferme. Fait que eux autres, dans une grange, ils ont fait un studio. Fait que c'est vraiment cool, t'as des chiens qui passent. Il y a des animaux partout, puis sérieusement, c'était vraiment une belle ambiance pour travailler. C'était facile d'enregistrer là-bas, travailler là-bas. C'était le fun, on a vraiment eu du fun à faire ça. Donc, tu nous arrives avec un album qui s'appelle « J'ai jamais su danser ». Ça, c'est vrai, ça, ou c'est pas vrai qu'au secondaire, ça pognait pas trop ton affaire à cause de ça? Je me suis tout le temps trouvé très ridicule à danser. Puis la danse, je trouve que c'est une manière de socialiser. Puis je suis pas super bon là-dedans non plus. Donc, je trouvais que ça allait de pair. Puis ça m'est venu comme ça. J'ai jamais su danser, jamais su parler, tu sais. T'es pas pire en ce moment? Non. Ça va bien, ça va bien. Cet album-là est plus rock que le premier. Est-ce que tu dirais que ça te ressemble plus? Je pense que oui. En tout cas, au moment où j'en suis là dans ma vie, c'est sûr que je joue souvent avec les deux mêmes musiciens. Puis on joue souvent dans des bars, tout ça. Donc on est habitué de jouer de la musique peut-être plus rock dans ce temps-là. C'est sûr que oui, ça représente plus ce que je veux faire en ce moment et où je suis rendu en ce moment aussi. À petite école, les filles, j'en étais obsédé. Sophie, Chantal, Julie, Josiane, ma préférée. Quand elles m'ont vu bouger, tout croche dans un party, elles ont compris tout de suite que j'étais pas le bon cavalier. Excusez! En terminant, là, je te mets au défi. Je te fais un T'es pas game. T'es pas game de nous montrer comment tu danses. S'il te plaît, là, juste un peu. Je vais te laisser toute la place. J'ai jamais su danser. Jamais su socialiser. J'ai jamais